Salut à tous et à toutes, c'est Aftercut Cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry 3. Et oui, donc un jeu que j'ai eu hier. Et donc je vous fais cette vidéo ce jeudi, donc le jour de sa sortie. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit let's play de toute la campagne. Je sais pas si encore je vais faire toute la campagne solo. Donc Far Cry 3, donc je sais pas si, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'aventure hein, et un jeu d'action aventure. On est là dans le Far Cry 2, moi j'avais fait la campagne, on était en Afrique, et donc là je crois que c'est plus un décor plus tropical sur une île paradisiaque. Et donc en gros c'est un jeu avec de très beaux décors et un scénario, une campagne bien foutue quoi. Donc je crois qu'il a eu même 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, enfin il a l'air vraiment très bien. Donc là on est dans les menus, donc je vais commencer. On va commencer le début de la campagne quoi. Et pour ce qui est des succès de ce jeu, il y a des qu'on appelle pas des easter eggs, mais il y a des artefacts, donc c'est des reliques, des lettres et des cartes mémoire qui sont dispersées dans toute la carte. Et donc j'ai trouvé un site où il y a tous les emplacements sur les cartes, et donc j'essaierai de peut-être de vous faire de tous vous les montrer quoi en vidéo. Alors passeport. Un passeport Uplay, qui votre passeport, accès au contenu multijoueur en ligne sans restriction. Ah oui, c'est le code que j'ai eu. Ok, petite ellipse, je vais rentrer mon code. Voilà, donc j'ai rentré le code que j'avais eu. Quand on achète le jeu, on reçoit un passeport, donc avec le code. C'est un code normal Xbox Live en courant pour pouvoir jouer en multijoueur. Voilà. Alors. Liaison Uplay. Lier un compte Uplay pour accéder à un compte Far Cry. S'inscrire en plus. Oui, je ferai ça plus tard. Hop, alors. Coopération multijoueur, option Uplay. Alors, je sais pas encore ce que c'est que le Uplay. Nous, on va faire l'histoire. Juste voir dans les options s'il n'y a pas des trucs à. Contenu exclusif. Ah oui. Parce que moi, j'ai l'édition limitée The Lost Expedition. Enfin, je crois que à peu près tout le monde l'a, parce que sur Amazon j'ai pas trouvé la version normale. Je l'ai eu à 55€ sur Amazon, donc c'est assez correct pour un jeu d'Xbox. Et donc Lost Expedition, ça dit jouer à deux missions supplémentaires exclusives comportant 40 minutes de gameplay additionnel. En gros, on a 40 minutes de jeu en plus avec cette édition, donc je rentrerai le code un peu plus tard. Donc pour l'instant, on va commencer l'histoire. Alors, le disque dur. Nouvelle. Alors, aventurier, une expérience de jeu de tir à la première personne destinée aux joueurs débutants. Une expérience de jeu de tir à la première personne destinée aux joueurs chevronnés. Un véritable défi qui nécessite une maîtrise de jeu, une maîtrise de tous les compartiments du jeu. Moi je vais la faire en survivant parce que je suis pas non plus un pro de Far Cry et et comme ça, je m'en vais très bien. Hop. Mon petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote. Ouais, merde, où il est ce petit enfoiré? À la black card de mon paternel et à ma black card. Oh putain, j'ai pas pris de sambuka depuis que j'ai 20 ans, tu crois? Dans les pommes, ce con. C'est la porte. Oh, tu es seul, aide-toi, rentre. Tu es dingue, tu es. Et lui a très bon prendre. Ouais. Vous pensez faire des trucs déments. Vous sautez d'un avion. Vous volez comme des oiseaux. C'est vrai que c'est dingue. Cool, le téléphone. J'adore ce téléphone. Alors, c'est qui le client? Grant et Jason.
de Californie. Hein? Bah, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup, parce que deux petits blancs comme vous, ça sent le fric. Et c'est bien, moi j'adore le pognon. Pardon, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain? C'est ça? Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! T'es ma chose! C'est moi le roi ici! Et toi, tu la fermes ou tu crèves! Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles plus comme là-haut tout à l'heure? Pourquoi vous rigolez plus? Vous me trouvez pas assez drôle? Moi, je sais. Je sais ce qu'il y a. Dans le ciel, vous étiez sûr de gérer. Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûr de tenir votre vie au bout de vos doigts. Mais elle, Manon, maintenant, vous êtes ici. L'atterrissage est rude. Ça va aller, on va se calmer, ça va, parce que toi, moi, et ton frérot la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. Arrête d'effrayer les otages, va plutôt t'occuper des rebuts. J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. Allez, à plus. Vous manquez déjà, je vous jure. Ok. Alors, on va juste changer un truc très rapidement. C'est la sensibilité. Parce que là, ça va pas du tout. La jouabilité. En tout cas, ça commence très bien. Moi, je trouve le début plutôt pas mal. Voilà, c'est plus rapide. Ok, ça va aller. Pourquoi je te mentirais là-dessus? T'es vraiment un connard. C'est un pauvre loser. Ses parents sont friqués, on aura plus de blé pour lui que pour n'importe lequel des autres. Faut pas t'arrêter.
arrête. Quoi? Putain, il faut qu'on se débarrasse de lui. Balance une pierre là-bas. Ok. Tu dois détourner son accuse-toi. Ok, ça a marché. On y va. Ok, j'arrive. Balance une pierre là-bas. Personne ne le sait. Et toi, tu te caches. Non, oui, c'est ça, tu te planques. Oui, là, ouais, c'est pas mal. Ça va. On continue. Ok. J'ai cru entendre un déjà trembler. Je t'en prie, laissez-moi tranquille. Ne faites pas de mal. On n'aurait jamais dû sauter comme ça, sans savoir. J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. Tu vois où est Riley sur la carte? On va le retrouver. Après, on va libérer les autres. Et ensuite, on pourra rentrer. Quoi? Non! Reste en vie, Grant! Je ne sais pas ça! Tiens le coup, Grant, allez! Non, mais je débarque ici avec ta crampe de jeune là, ton téléphone. Non! Grant! Non, je respecte ça! Je vais te donner 30 secondes! Et si cette jungle ne t'avait pas tout cru, je le ferai. Allez! Mets la main dans les oreilles! J'ai dit de foutre le camp, saloperie de l'opette! Tour, Forest! Tour! Merde.
faut que je retrouve Riley et les autres. Là. Très belle introduction, hein, je trouve. Par la travers de guerrier, la voix au cœur de l'agent, fuis cette voix, et tu trouveras la solution. Est-ce que je suis... Qu'est-ce que... Te voilà réveillé. Enfin, pas complètement. Ton bras est encore engourdi, le temps de finir le tatouage. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates... C'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Et je suis Dennis. Jason. Bangao. Lava, lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage te permettra de révéler ta vraie nature. Écoutez, mon grand frère a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et 4 de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisse t'aider. Moi, je vais te libérer. Qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai trouvé sur la plage. Bienvenue au village d'Amanaki. Un endroit magnifique, non? Selamat Tangahari. Je vous présente Jason Brody. L'homme qui a réussi à échapper à Vaas. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple? Cette île n'accueille que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakyat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. Elles sont charmantes, non? Magnifiques, c'est peu dire. J'ai droit à toutes celles que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé preneur. Tiens, de quoi acheter des armes?
Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas? J'ai jamais tiré sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays? Rien n'est impossible aux gens décidés. Alors. Ils dansent toujours, eux. Alors, start grand, tiens, je vois un peu les menus. Alors. Désolé pour votre frère, je sais qu'il était en service dans l'armée de réserve. Son pays est fier de lui. Et ça, c'est moi, ça, non? Je crois. Ok, donc là, ce sont les guides de survie. Progression. Personnage, lieu. Confidentiel. Ah, ça doit être ma vidéo, ça. Je dois pouvoir la... Ouais. Les reliques. Ah, voilà, ce que vous avez dit. Les reliques, les lettres des disparus et les cartes mémoire. Qu'il faut ramasser dans toute la carte, hein, c'est ça. Voilà, il y en a... j'arrive pas à descendre, mais il y en a les 60, hein, il me semble. Ah non. 120. Ok. J'avais lu 60. Bon, tant pis. Lettres, il y en a une vingtaine, voilà. Et les cartes mémoire, une vingtaine aussi. Alors, le démarrage rapide. Guide de démarrage rapide. Ce guide de démarrage rapide contient tous les conseils et astuces du début de l'aventure par ordre alphabétique. Il sera mis à jour avec les messages didacticiels que vous aurez vus au cours du jeu. Combat, ok. Ah oui, d'accord, c'est... Ouais. Sauter à... Ok. Lancer. Toutes les petites astuces. Ok, le sac à butin. Peut-être mon inventaire. Le manuel. Et ok. Alors. Hello. Vous voulez acheter quoi? Je veux acheter, moi. J'ai 60 dollars. Ok, mais j'ai pas trop le choix. Ce sera ce flingue, et puis voilà. Oui. Ah, j'ai des emplacements d'armes, ok. Bah ouais, j'en ai qu'un disponible. Voilà. Je peux le personnaliser si je veux. Aucun accessoire disponible pour cette arme, voire peinture RB. Ah ouais, je peux mettre, ok. Ouais, pas mal. Ça coûte 200 dollars, mais... pour une peinture, mais bon. Puis après, il y a toutes les autres armes. Fusil sniper à 1800 dollars, ok. Connectez ces tours radio. Sans elles, je ne peux pas connaître les stocks des autres villages. Et croyez-moi, ils stockent souvent du super matériel. Qui? Alors, suis-moi, mon ami. Ah, l'appareil photo, j'en ai entendu parler. Alors, ouais, ça peut identifier des cibles. Je crois que quand on prend la cible en haut là, ça fait un indicateur sur la carte. Après, bon, si je détecte un prédateur. Un animal prédateur, il va j'aurai un signe sur la carte de la bouche. Et je peux aussi prendre des photos qui sont stockées, je crois. Si je prends une photo de ces cons-là. Voilà, et que ranger. Et je dois pouvoir les avoir. Quelque part. Alors. Ouais, bah, hein. Je vous montrerai ça plus tard. Parce que je crois pas que je vais trouver là en fait. Ah, j'ai même des informations sur les armes. Ok. Bon, bref. Voilà. Nouveau didacticiel, armes gratuites. C'est-à-dire, acheter des armes dans les magasins et les refuges. Si vous activez les pylônes radio, leur coût est réduit à zéro. Activez d'autres pylônes pour plus d'armes gratuites. D'accord. Faut que je sorte du village, ils ont dit. C'est qui lui? Bonjour. Ah, ok, c'est ok. Bon, bref. Ah oui, c'est ça. Quand je faut que je sorte du village pour pouvoir utiliser mes armes, je peux pas les utiliser. Faut que j'arrête de sortir cet appareil. D'accord. J'ai lancé quoi là? Ah, c'était un caillou, ok. Flèche de gauche, flèche du bas.
couteau, c'est ça. Joystick droit, RS. Clic droit, ça fait rien. Clic gauche, gâchette gauche, visée. Gâchette droite, ça doit tirer, je vais pas le faire. X, ça fait rien. Y, X stop pour recharger. A, sauter. B, se mettre à copie. Ok. Vous êtes tout là-bas. 80 mètres. Il faut monter. Ça doit être la tour radio. Rendez-vous au pylône radio. Ok, j'y vais. J'aime pas quand il y a une petite musique comme ça qui se déclenche, je sais pas pourquoi. Je peux pas grimper ça. Bon. On va passer par l'entrée alors. Ah, c'est un serpent. Je sais pas si vous le voyez très bien. Je tire dessus. Allez. Ok, bon bah il est mort. Alors j'ai une caisse. Fouiller le conteneur. Bol, munitions mitraillettes, munitions fusil. Ok, bon. Ah, il fait jour là. Ça passe aussi rapidement que dans Minecraft, j'ai l'impression. Ah, donc je vous disais, Far Cry c'est des, vraiment des, toujours des très beaux décors. Là on voit. C'est très bien foutu, bien détaillé. Alors, faut que je monte ce putain de pylône. Regarder en bas, ouais. Alors je vais monter. Ah, il y a une caisse là déjà. Tête de poupée, 32$. Ok, je crois que on peut avoir des objets à la con et qui après on peut les revendre quoi, mais je crois pas qu'ils aient beaucoup d'utilité. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire là-dessus? Interagir. Neutraliser les brouilleurs pour révéler les données de la carte. Ah oui, c'est ça. J'ai vu ça. Pylône radio activé. Et donc là, sur ma carte, si j'ai une carte, c'est back. C'est pas back. Bon, je verrai la carte après. Ah, pour la tyrolienne. Ah, c'est marrant ça. Je crois qu'après on pourra. Il y aura un truc pour pouvoir tirer de la tyrolienne avec l'arme. Efficace, hein ? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Ah, la carte. Voilà, back, la carte. Alors. Tu vois, tout ce que tu dois savoir t'a été révélé par la tour radio. Les boutiques, les aventures, l'île te parle. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la chose que tu as à perdre. À la nature. Et ok, bon là il me laisse plus me déplacer. Large. Bon, si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les peaux d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter tes sens ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé faire quoi? Écoute ton instinct. Écoutez mon instinct, j'aime bien ça. Bon, je crois que là, je dois être pas loin des 20-25 minutes. Je vais pas essayer de vous faire des vidéos trop longs parce que je sais que c'est, ça peut être un peu ennuyant. Donc, je vais aller voir les armes gratuites que j'ai débloquées. Et puis, on va se dire au prochain épisode. Alors, il va falloir que je trouve mon chemin. Ah, ça doit être le marqueur que j'ai mis. Donc, le chemin, c'est plutôt par là. Pourquoi il y a des diamants sur cette carte ici? C'est quoi? Fouiller le conteneur.
tête de poupée. Ah, ok, donc tous les petits diamants là, ou je sais pas trop quoi, c'est des conteneurs. Donc en fait, d'aller à la tour, ça m'a affiché tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait aux alentours, hein, tous les petits trucs. Ah, donc là, je suis rentré dans le village, j'ai plus mes armes. Et pourquoi je saute tout le temps? Parce que j'ai envie. Oh, est-ce que je peux la sauter? Enfin, la sauter. Bonjour. Vous avez compris. Alors. Le magasin. Donc j'ai des armes gratuites normalement. Consommables. Cartes. Ah, je peux acheter des cartes. Ok. Consommables. Remède. Gilet pare-balles. Ouais. 895$ sur 1000. Ah ouais, je peux en avoir que 1000 sur moi. Je peux en transporter que 1000. Alors il me semble que j'ai. Voilà, munitions. J'ai débloqué un flingue, ils m'ont dit. Voilà. Il doit être gratuit. Voilà, je l'ai. Et je peux l'équiper, comment? Silencieux. 400. Magasin augmenté. Chargeur, quoi. Vision nocturne. Ah, Y équipé. Tiens, je vais l'équiper. À la place de ce flingue-là. Celui-là, il vaut 950. J'espère qu'il y aura d'autres armes. Parce que là, pour l'instant, que 3 mitraillettes. Ouais, je sais pas. Hein. Alors, j'ai débloqué une gratuite, ils m'ont dit. J'avais cru. C'était peut-être pas dans ces mitraillettes-là. C'est un fusil d'assaut alors plus. Voilà, celui-là. Je peux l'équiper. Ah ouais, qui est toujours là. Hop, je vais équiper ça alors. J'ai des fusils à pompe. Mitrailleuse légère. Je sais pas comment une mitrailleuse peut être légère, mais oui. Lanceur. C'est un lance-grenade et un lance-roquette à mon avis. Et voilà, et là il y a l'arc. L'arc, j'ai vu, ça a l'air plutôt pas mal foutu. On va être discret et ça tue en une flèche, donc c'est assez efficace. Outil de réparation, ça je sais pas encore ce que c'est. Une torche à l'oxy. Attention, l'oxyacétylène, capable de réparer tout véhicule terrestre ou aquatique. Ah oui, c'est pour réparer. Lance-fusée peuvent servir à déclencher un incendie à distance, créer une diversion ou même éliminer un ennemi. N'oublie pas qu'il s'agit d'une arme à un coup. L'arc, ouais, bon, voilà, l'arc. Et le lance-flamme, ça doit être un putain de lance-flamme aussi, pareil. Ok. Bon. Ouais, au revoir. Ça va vraiment être tout fait dans le détail, hein. Il y a vraiment... Ouais. Très bien foutu. Utiliser nuit, quand je suis arrivé, il fait jour maintenant. Ouais. Enfin, il me semble. Ou peut-être que j'hallucine. Hey. Quoi, hey? Ouais, bon, et bah. Je vous dis au prochain épisode, donc qui arrivera sûrement dans très peu de temps, dans 2 ou 3 jours, je crois. Et donc, bah, à la prochaine. Allez, à plus tout le monde!